tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour le final de la Géo Kajin. Donc ça y est, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, je vous mettrai le lien ici. Je vais vous expliquer vraiment vite fait, sinon vous allez rien comprendre à cette vidéo quand même, si vous voulez la suivre et voir le final. En fait, j'ai créé ce concept. Vous savez que la Géo Cache existe partout dans le monde. En fait, il y a des caches partout, n'importe où. Et en fait, il faut découvrir les géocaches, c'est trouver les trésors. Si on prend un objet, il faut le remplacer. Donc j'ai décidé en fait de faire ce concept qui s'appelle la géocagine. Donc j'ai acheté une boîte en plastique, j'ai mis un présent dedans et j'ai fait partir cette boîte, cette box en fait, la géocagine. On était 22, voilà c'est ça, 22 abonnés quand j'ai lancé en fait le thème sur mon compte Facebook. Donc il y en a qui se sont inscrites, parce que j'ai pas d'hommes, qui se sont inscrites et c'est parti. Donc en fait la box elle a été jusqu'au Canada et je l'ai envoyée déjà au Canada, elle est revenue en France et en France elle a fait vraiment toute la France, voilà. Donc elle est revenue à moi. Donc en fait vraiment pour que les choses soient claires, ça a été pas du tout pour avoir les choses, bien évidemment qu'elles me reviennent, ce qu'il y a à l'intérieur c'était évidemment pour moi, c'est sûr, c'est comme un swap, ça swap avec mes abonnés, mais du coup c'était ce que je voulais, cette expérience là c'était vraiment le partage, le côté humain, que ça soit vraiment un souvenir, et ça n'a jamais été vu sur YouTube, donc voilà, donc c'est vraiment génial. J'ai ouvert, je vous le cache pas, je voulais le faire en première partie ici sur ma chaîne, mais en fait je l'ai fait en live sur mon compte Facebook et je l'ai mis sur ma page Facebook. Parce que j'ai fait une erreur, je voulais l'ouvrir en live sur ma page Facebook parce que mon compte ne sert plus, enfin voilà, hein, il est encore là mais c'est différent, la page maintenant c'est pour vous, enfin tout ça. Donc du coup, je l'ai remis, donc vous pouvez aller voir sur la page, le retrouver, Sweet Dean Makeup, et vous verrez le live. Je l'ai ouverte en compagnie de ma maman qui a été aussi participante au milieu de la géocaching, voilà, ça a été son tour à elle, bien évidemment je ne l'ai pas vue. Elle est arrivée à la maison, moi ils m'ont interdit de voir, donc j'étais renfermée dans la chambre. Mais en tout cas c'était super, il y a eu beaucoup d'émotions lors du live parce que je l'ai ouvert en live. Ça a été très 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 fort, c'était vraiment génial, c'était une bonne expérience. Et je pense que je vais renouveler cette expérience parce que tout le monde a été vraiment content. Donc en fait dans un carton, donc les abonnés qui ont participé ont décoré le carton, et c'est le carton qui a fait pratiquement toutes les smilettes. Je sais pas si c'est mon carton du départ qui est parti au Canada, mais en tout cas il a fait pratiquement toutes les autres smilettes. Donc il est vraiment décoré. Donc Marilyn Monroe, on a des bisous, on a des cœurs. Là c'est j'arrive chez vous les smilettes, on a encore Marilyn Monroe. Enfin c'était vraiment fait tout vraiment pour me faire plaisir. Et se faire plaisir aussi à soi, parce qu'elles ont vraiment été très heureuses. Donc à l'intérieur, j'avais mis une box en plastique. Et pour la cage justement, quand j'ai ouvert le carton en live, donc il y avait un sac. Et dans le sac se trouvait la box. Donc ça, c'est une abonnée qui a mis ce sac. Voilà. Donc c'était rempli, rempli, rempli de plein de choses. Et en plus de la boîte, j'ai mis un petit carnet où là j'ai mis un mot, j'ai mis les règles et tout ça. Ensuite j'ai mis un mot à la personne à qui je l'envoyais. Et ensuite elles pouvaient s'écrire entre elles. Et elles m'ont toutes laissé des souvenirs dedans. Alors si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, je le lis à la fin de mon live. Là je ne vais pas le faire en vidéo parce que ça va prendre énormément de temps. On va juste voir le contenu de la box. Alors, je vais vous montrer la boîte tout de suite. Elle était bien ficelée. Donc voilà, et j'ai trouvé une boîte plastique avec des villes. Amsterdam, Baltimore, Barcelone, Turin, enfin voilà, c'était vraiment la box qui voyageait. Donc à l'intérieur, chaque personne mettait ce qu'elle voulait dedans. Il n'y avait pas de prix, rien du tout, ça pouvait être fait par soi-même, ça pouvait être, vous allez voir, il y a même des choses de chez les personnes, enfin elle pouvait mettre ce qu'elle voulait, et si la prochaine participante trouvait quelque chose de bien dans la boîte, elle pouvait bien sûr le prendre, mais il fallait qu'elle le remplace par son objet à elle, bien évidemment, parce que sinon la boîte, elle n'allait pas en finir sans rajouter des objets. Mais en tout cas c'est génial. Alors comme je l'ai ouvert hier, là je vais prendre vraiment au hasard, tout est déballé, mais je vais vous montrer. Donc hier, je vais vous montrer, c'est le produit phare de la boîte, parce que là, franchement,
allez voir le live. Je ne vais pas arrêter de vous dire ça, mais quand je l'ai ouvert, ceci, donc c'est une abonnée, Lauria, qui a aussi une chaîne YouTube, qui m'a mis donc cette éponge. Tout le monde sait que c'est un beauty blender. Ben, ma mère, elle m'a dit que c'était ça ressemble à des coucougnettes. Voilà, donc on a toutes déliré, c'était les cougnettes et moi, les cougnettes, voilà. Les cougnettes, les coucougnettes de Tic et Tac, hein. Donc quand on le met dans ce sens-là, effectivement, alors on a déliré parce que j'ai dit je ne verrai plus mon beauty blender, franchement, sous la même forme que je le vois maintenant, c'est plutôt les coucougnettes. Donc il y a aussi une youtubeuse et une abonnée aussi à ma chaîne qui nous a fait un montage, Pauline, avec moi, ma mère, Tic et Tac, enfin c'est vraiment génial. Donc voilà, les coucougnettes de Tic et Tac. Ensuite... Donc une autre abonnée m'a envoyé donc cette plume, elle est belle, on peut mettre du parfum dessus, donc couleur or, c'est en plâtre. Avant que j'oublie, je les ai aux oreilles, donc j'ai aussi, donc c'est des abonnés, il y a des youtubeuses aussi qui ont participé, hein, comme Lauria c'est une youtubeuse aussi, Pauline aussi, et ce sont des boucles d'oreilles, voilà, qui étaient dans cet emballage. Après, il y a Coco Mylène qui a participé aussi de Bijoux Corizina Création. Donc la gourmande, elle sait que je suis gourmande et dans le concept paillettes ou gourmandise, elle m'a mis, c'est des tampons à biscuits. Donc on va essayer de le faire avec ma mounette pour paillettes ou gourmandise et ça va être génial. Et en même temps, Coco, elle m'a mis donc un baume en pomme, sous forme de pomme. Je ne l'ai pas encore testé. Ça sent très bon en tout cas. Voilà, donc c'est trop choupinou. Donc voilà, après je vais tout ranger une fois que la vidéo va être finie. Hein. Ensuite, alors ça il me semble bien, Caroline n'était pas là du Québec. Quand j'ai fait le live, en plus il y a des décalages horaires, mais il me semble bien que c'était Caroline. Donc si Caroline tu passes par là, vraiment je vais te faire un gros bisou et je te remercie beaucoup parce que je t'ai pas vue sur le live. Je te remercie vraiment pour tout, c'était vraiment génial. Elle était jusqu'au Canada, quoi. Allô ? Et contente parce qu'on n'a pas perdu la box. On n'a eu aucun problème. Rien. Alors là, ensuite, elles ont toutes rigolé aussi. Parce que ben, moi, je ne connais pas tout. Même si je suis dans mon monde imaginaire. Un peu fée clochette, Peter Pan, machin, Walt Disney. Et ben, au début, je croyais que c'était Maya, ça. Voilà. Et ma pote, ben, Maya aussi. J'adore Maya l'abeille. Quand il y a sur Snap, je prends souvent ce filtre-là quand il y est. Et là, en fait, je ne connaissais pas du tout. C'est ma fille, donc vous entendez aussi sur le live, qui me dit « Mais maman, c'est du Tsum Tsum, c'est la fée clochette Tsum Tsum. » Et du coup, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est trop marrant, quoi. Donc voilà. Donc et ben, maintenant, j'ai mon Tsum Tsum à moi. Et il y a une abonnée, c'est pas une abonnée, c'est Pauline, qui m'a dit que c'est Audrey Marshmallow, apparemment, qui en a plein. Et c'est pour nettoyer les écrans. Et je ne savais pas du tout. Donc voilà, donc je vais tester aussi. Ensuite, j'ai eu un magnifique collier qui vient d'Espagne. Voilà. C'est vraiment trop. Alors là, pareil, ça a fait un petit peu rigoler et puis les smilettes parce que voilà. Là, j'ai une smilette qui m'a envoyé du sable de chez elle dans le calepin. J'ai vraiment la photo qu'elle a prise. La Seine-sur-Mer, voilà, donc c'est vraiment génial. Et ma mère du coup elle me dit, ah bah Bernard Lamitte il va sortir de là, il y a un coquillage. Donc c'était vraiment, mais c'est top. Quelle idée là aussi, c'est vraiment super. Ensuite, ça embaumait partout, bah on a trouvé, c'est Gnocchi Candle à la mangue. Et je peux vous dire qu'elle sent super bon, j'adore la mangue, j'allais dire magnifiquement bon mais ça n'existe pas. Ensuite, je me dépêche un peu parce que j'ai, désolé, plus de cartes sur mes cartes mémoire, parce que je vous ai fait plein de vidéos là, moutarde au savagnin, et ça c'est génial, c'est produit régional, donc c'est vraiment super, donc pareil, je vais pouvoir la tester aussi. Ensuite, on va retrouver donc un plateau, voilà, Morzine, Fleur des Alpes, et ma soeur a été travailler à Morzine d'ailleurs. Ensuite, on va retrouver un produit diamant brut que je ne connaissais pas du tout de chez Etam. Dedans, il y a un mascara, il y a des paillettes et je crois qu'il y a un gel. Et ensuite, on met les paillettes dessus, couleur argent. Donc, c'est une couleur que j'adore aussi. Donc, ça va être parfait. Je vais pouvoir vous faire un crash test et un tuto avec ça. Ensuite, j'ai mon calendrier de l'Avent. Je vous en ai fait gagner un sur Instagram. J'en ai acheté un à Lily. Ben, moi, maintenant, j'ai le mien. Donc, c'est génial. Ensuite, on va retrouver un cadre, un super beau cadre. Je vais vous le montrer aussi. Voilà.
Alors, il y a une smilette qui était super contente, qui m'a mis des cheveux d'ange un peu partout. N'est-ce pas, Viviane? On dira pas que c'est toi. Hein. Alors, ensuite... Oh, il y en a partout et Kaline les mange, donc je fais attention. On retrouve un rouge à lèvres Kiko. Voilà. On va retrouver... La magnifique. Les attrape-rêves. Il m'a été offert donc aussi par une abonnée. Il est magnifique. Voilà. Et là, j'étais aussi super contente parce que j'ai une autre abonnée qui m'en a fait un de ses propres mains. C'était son premier, il me semble, à Val. Et il est trop, trop beau. Vraiment trop beau. Il est complètement différent, mais il est vraiment génial, quoi. Donc, ouais. Mes rêves vont être attrapés. On va retrouver une deuxième paire de boucles d'oreilles. La Lily, elle a craqué sur ces paires-là. Je pense qu'elle va me les chourer. Voilà. Et on va retrouver un marque-page qui a été fait main par Clo-Clo. Avec des fleurs séchées. Vraiment, c'est super bien fait. Vraiment, voilà. Donc... Hop, j'enlève, j'en ai partout. Et ensuite, le calepin. Mais bon, je vous dis, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long. Et en tout cas, je vous dis, je vous invite franchement à voir l'ouverture en direct au niveau du live. C'est vraiment génial. Mais je voulais vous refaire cette vidéo-là. J'avais dit que je reviendrai vous en parler. Donc pour moi, en conclusion, ça a été vraiment la première géocaching que je n'oublierai pas. Que j'en refasse ou que... Ou que j'en refasse pas, je sais pas, je n'oublierai pas ce moment-là depuis le mois d'août. Voilà, depuis le mois d'août. Et ça a été vraiment super, ça a été que d'émotions. J'avais en plus ouvert un fil de discussion sur Messenger, donc elle se parlait. Voilà, donc j'essayais que ça reste un peu disponible pour mettre des infos. Le colis, il est arrivé, il va arriver, parce que je surveillais aussi. Et j'avais qu'une anti, c'est que le colis n'arrive pas ou qu'il se perde. Et non, ça s'est vraiment bien passé. Et en tout cas, ce que je peux retenir de ce concept, c'est que vraiment, ce que j'ai voulu mettre en place, c'est ce que je disais dans le live, et ce que maman disait aussi, c'est ce que vous toutes, vous m'avez remis, ce que je vous dis depuis l'ouverture de ma chaîne dans ce calepin-là, ça me fait vraiment énormément plaisir. C'est vraiment le partage, et c'est vraiment top, quoi. On a tous nos caractères, on a toutes nos qualités, nos défauts. J'ai pas non plus un bon caractère, je suis pas, ouais, top, machin et tout, hein. On est comme on est. Mais en tout cas, j'ai certaines valeurs, comme je disais hier dans le live, que mes parents m'ont apportées. Et du coup, tout le monde n'a pas les mêmes, bien évidemment, mais celles que j'ai, eh ben, je les garde et je les mets en avant. Et c'est pour ça, ben là, pour moi, le partage. YouTube, c'est avant tout du partage. Je le vois pas non plus comme ben d'autres peuvent se lancer sur YouTube vraiment pour un boulot, quelque chose ou autre. Je n'ai jamais dit que si ça se présentait pas à moi, que je ne le ferais pas, puisque c'est ma passion, et travailler dans sa passion, que demander de mieux. Mais bon, voilà. Là, pour le moment, je suis bien. C'est un événement, c'est un moment vraiment super bien. Et c'est vrai que quand tout se passe bien comme ça, c'est vraiment génial. Et en tout cas, ça m'a... Comment dire, ça m'a conforté que il y a encore franchement des gens qui sont vraiment bien et qu'ils aiment aussi faire du bien aux autres. Et voilà. Et du coup, toutes les personnes qui ont participé, les abonnés, celles qui sont dans le groupe des smilettes, celles donc qui sont aussi youtubeuses et qui me suivent en tant qu'abonnées, elles n'ont pas été là en tant que youtubeuses, elles ont été là en tant que participantes. Et ça, j'ai vraiment apprécié que c'était des participantes, que c'était pas la youtubeuse et tout. Et ça, c'était vraiment génial. Et elles communiquaient en plus tout ensemble, et ça a été vraiment ce que je voulais, quoi, le côté humain. Et j'en ai la chair de poule, c'est un truc de dingue. J'ai tellement été prise d'émotion hier, et pour fêter ça, j'ai même bu un canon de rosé avec ma mère. Parce que ça, on a déliré aussi, parce qu'il y en a qui sont de la Bourgogne dans les abonnés, et du coup on a bien rigolé aussi avec ça. Il y a une anecdote, je vous laisse franchement aller voir le live sur ma page. Vous avez la page, donc c'est Sweet Dean Makeup, parce que maintenant c'est plus The Dean 41, c'est Sweet Dean Makeup partout. Donc voilà, en tout cas, je sais que vous me regardez encore, toutes celles qui ont participé. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez fait, pour que tout se déroule bien, pour tout ce que vous m'avez écrit, tout ce que vous m'avez apporté, et ensuite pour toutes les autres
abonnés, je vous remercie vraiment d'être présente et que ma chaîne, elle grandit et nous grandissons ensemble. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo Smile and Zen et bientôt peut-être une autre géocaching. Smile and Zen.